Bonne journée, merci. Bonjour monsieur. Par contre, il y avait des gens devant vous. Ça vous embête pas de... Ça, je fais pas chier, je suis pressé. Ok. Vous avez la carte fidélité du magasin? Non. Te fatigue pas surtout. Hein. Allez mon grand, on se dépêche là. Tu veux rajouter des courses? Ton avis du coup. Putain, tes courses à moi aussi. Je suis fou là. Hein. Putain, t'as rien. Bonne journée là. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le prestigieux orchestre philharmonique de Vienne vient chaque année dans plusieurs orchestres de France afin de sélectionner des nouvelles recrues. Et je vous le donne en mille, cette année, notre ensemble fait partie de la sélection. Soyez-en fiers. Bien entendu, mon homologue viennois m'a totalement fait confiance afin de lui sélectionner nos éléments les plus brillants. Pour les cordes, le choix a été ardu, mais j'ai fini par sélectionner une violoncelliste, une musicienne hors pair. Émilie, tu porteras nos couleurs et notre savoir-faire à Vienne. Félicitations. Je vous remercie, Madame Ozan. Je saurai me montrer à la hauteur de ce privilège. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus de m'avoir choisi. Je n'en doute pas. Bon, eh bien, le prestige n'est rien sans travail. Alors reprenons nos répétitions. Merci encore. Bon. Vous irez loin, Émilie. Bonne soirée. Bonne soirée. Madame Ozan. Madame Ozan. Oui, Eva. J'aurais aimé vous parler quelques instants. Comment dire, c'est... J'imagine que vous allez remettre en question mon choix pour Vienne. Non. Enfin, pas vraiment. Non, je voulais juste vous dire... Vous avez bien fait de choisir Émilie. J'en suis convaincue. Émilie est un de nos meilleurs éléments. Mais tout comme vous, d'ailleurs. Et elle a un petit truc en plus. C'est quoi? L'émotion. Bonne soirée, mademoiselle. Pas l'impression, parfois, d'être comme spectateur de ta propre vie. Je sais pas trop. Je crois que je préfère vivre pleinement tous les moments, tu vois. Même les plus durs. Je veux pas être spectateur de ma propre vie. Je veux la vivre, tu vois, réellement. Ouais, mais... C'est dur parfois. T'as pas de recul sur les choses. Ouais, c'est dur parfois. C'est pour ça. Ça aide d'être bien accompagné, tu vois. Et pour ça, je crois que j'ai un bon garde du cœur. Bon, ok, mais chef, c'est pas un cas technique. Mais... Thank you.
Avant que nos amis de Vienne partent avec leur nouvelle recrue, ils nous font l'amitié d'assister une dernière fois à l'une de nos répétitions. Bravo. Bon, vous savez, dans l'art, il y a faire de la musique et vivre la musique. Mes chers amis, que diriez-vous d'une petite pause? Oui, c'est ça, bonjour. J'ai toujours pas eu le loyer de ce mois-ci. Ah, je sais, désolé. J'ai eu des problèmes. C'est pas mon problème, jeune homme, si vous êtes pas capable de vous prendre en charge. Soit vous payez, soit vous dégagez. Au pire, demandez à votre violoniste. Bon, elle aussi, ça a l'air d'être une incapable. Vous avez 2 semaines. Comment ça se passe avec Eva?
Super mec. Ah, c'est vraiment la femme parfaite. J'aimerais juste qu'elle puisse un peu plus compter sur moi, je pense. Alors? Alors quoi? Mais arrête de faire ton innocent, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, et je sais que t'y penses. Oh! Oh! Excuse-moi! Ah, c'est bon, t'inquiète pas pour ça. On fait ça tous les soirs, ça se passe très bien. Comme d'hab, il faut que je te fasse picoler pour que tu me parles. Tu vois bien qu'elle veut pas. Bah ça, on fait connaissance. Je pourrais te dire maintenant. Mais je dis pas non. C'est comme ça que tu fais connaissance, toi? Bah ouais. Oh! Mec, je crois qu'elle va avoir un problème. Eva, tu crois qu'un jour j'irai trop loin? Tant que je serai là, ça n'arrivera pas. Justement. I still have some pictures on my wall.